Salut à tous, aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va parler Amiga et spécialement d'un jeu qui a bercé la fin de mon adolescence et le début de mon âge adulte, Civilization pour Amiga version AGA. C'était pour Amiga 1200 et compagnie. Donc je me suis débrouillé pour récupérer un classique workbench, pour installer du bazar, blablabla. Tous les détails techniques sont dans le descriptif, dans un lien dans le descriptif pour un article vers le blog, comme d'habitude. Donc je me suis fait un petit plaisir, j'ai légèrement gonflé la mémoire de l'ensemble, n'est-ce pas? Donc là, on est parti. Oups, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça émule vraiment le bon vieil Amiga. Voilà, ça sent mieux comme ça. Donc j'ai installé Civilization version AGA. C'était la deuxième génération de circuits pour Amiga, si mes souvenirs sont bons, ou troisième génération, bref. Une version améliorée. Bon, le jeu est entièrement en anglais. Je ne sais plus si c'est impossible d'avoir en français. On va prendre clavier et souris. Bon, je ne sais pas si je vous montrer la totalité générique, mais au moins le début. C'est quand même pas mal pour l'époque, hein. Parce que c'est quand même 92. Soit le tout début d'Internet aussi. Et ça fonctionnait sur une machine qui tournait à 7 MHz. 7 MHz. Pas 700, 7. Voilà, on va couper la fin de la présentation. Donc en option, créer un nouveau jeu, charger un jeu déjà créé, personnaliser le monde ou partir de la planète Terre. On va pas s'ennuyer, on va partir de la planète Terre. Là, il y a la présentation qui commence. Je crois qu'on peut la couper à la moitié. Je vous laisse une bonne partie. Vous allez voir, c'était du petit bijou à l'époque. Oups ça. Vous voyez même les petites animations sur le dessin. C'était quand même bien fait pour l'époque, hein. Bien sûr, certaines personnes disent que ça pique les yeux, mais... Alors, il y a encore un écran à attendre. Parce qu'il fallait qu'il calcule le monde et les compagnies, donc c'était assez ennuyeux. Ça y est, on peut enfin charger. Il faudra pour le troisième écran de présentation.
pour arriver au chargement de l'ensemble du monde. Donc avec les deux niveaux de difficulté, on va pas s'ennuyer. Hein. On va prendre 5 civilisations. No comment sur les stéréotypes. Bref. Bah, c'est bon. Donc là, 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 là. On va pas s'ennuyer, on va déjà créer la ville. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait pas mal de petites animations. Bon, elles étaient un peu rudimentaires, mais pour l'époque, elles étaient sympas. J'ai joué quelques tours justement pour vous montrer comment ça fonctionnait. Déjà, on va faire se déplacer cette unité. Et chaque fois qu'on faisait une découverte, voilà par exemple, j'ai découvert la maçonnerie. Et automatiquement, il y avait découverte. Bon, vous connaissez civilisation, mais à l'époque, c'était quand même un peu révolutionnaire. Celui-là, je vais le mettre en fortification. Si on double-clique sur la ville, normalement, on peut changer. On va construire une baraque. Voilà. Enfin, le baraquement. Là, je pourrai rencontrer notre civilisation. Allez, sauter. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais faire. Et bien sûr, c'est César pour les Romains. En paix avec les Romains, ça vaut mieux. Ah, dommage pour les Aztèques, enfin pour les Américains. Donc là, on continue d'explorer. On va continuer avec l'alphabet. C'est-à-dire qu'on a des principaux conseillers, bien sûr. Militaires. Voilà. On a le conseiller scientifique, bien sûr, qu'on vient de voir. On a le diplomate. Voilà, le niveau 2. Enfin, le diplomate, c'est Intelligence Advisor. Intelligence Advisor. Là, par contre, je vais faire revenir. Quand même pas mal conçu pour l'époque. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, les baraques ont été construites. Voilà ce qui se passe quand on construit quelque chose. Après ça, bien sûr, en fonction, on pouvait par exemple construire un grenier à blé.
et ainsi de suite. Ça qui était bien, c'est vraiment le jeu était très bien conçu pour l'époque. Bien sûr, j'aurais pu prendre une planète neutre, mais je préférais prendre la planète Terre, c'était plus simple pour. Voilà. Donc là, automatiquement. Et si on va aller sur le monde. Comme ça. World map. Voilà, on noterait ce qu'on connaissait de la carte. Civilisation score. Voilà. Le score de notre civilisation. C'est vraiment l'ancêtre de civilisation comme on le connaît, quoi. Les 5 cités mondiales. Donc les Zoulous, ils attaquent. Ah, les Pékin. Alors là, avant de tomber sur les Chinois, je suis pas encore tranquille. Là, c'est vraiment, vous voyez, un jeu très très bien conçu, quoi. Ouais, j'attaque les Romains. Je vais attaquer les Romains. Et voilà, quand on fait une découverte. Et automatiquement. Travailler le bronze. Sélection. Un vaisseau, c'est un vaisseau, c'est une unité de paix là. Et je fais revenir. Voilà. Je fais revenir mon personnage. Voilà, ça bien sûr. On va prendre tel milieu. Et ainsi de suite, on peut jouer pendant des heures, quoi. Donc voilà, c'était en gros à quoi ressemblait civilisation à l'époque. Ça m'a rappelé quand même beaucoup de souvenirs, comme vous pouvez constater. Là, je vais arrêter la partie parce que sinon on pourrait encore continuer pendant des heures et puis j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Donc sur ce, là, je vais. Là, c'était voilà, on avait l'ensemble des statistiques. Bien sûr, il y avait aussi un petit peu de pub pour les autres titres de Microprose à l'époque. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, à la prochaine. Bye.